J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va nettoyer ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le grand ménage chez moi parce que j'ai du temps et que j'ai vraiment envie de tout bouger et tout. Donc, comme tu peux le voir ou comme tu l'as vu, dans le début de cette vidéo, je reviens de la salle de sport. Et donc du coup j'ai grave de l'énergie là et je vais le mettre à profit. Donc tu vas me suivre. On va nettoyer ensemble. Et j'espère que je sais pas pour toi, mais moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, les clean with me, fix with me, whatever with me, vraiment tout ce qui touche à vraiment l'organisation de la maison et la propreté. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Donc du coup je me suis dit que j'en allais faire une et voilà. Donc je sais pas, je vais essayer de te poser quelque part ou autre, mais il est quoi? Il est 11h-10. Ouais, il est 11h-10. Généralement quand je décide de faire le grand ménage comme ça, ça me prend 2 à 3 heures, bien que mon appartement soit petit, ça me prend quand même 2 à 3 heures parce que je prends vraiment le temps de tout bouger, tout nettoyer, etc. Donc voilà, on va y aller ensemble. Donc, ce que je commence toujours par faire, c'est mettre tout en hauteur pour pouvoir libérer l'espace au sol, pour pouvoir passer tranquillement avec l'aspirateur et tout. Donc je vais commencer avec ce point là. Je vais commencer ici dans la chambre. Thank you.
Je l'avais commencé, je crois, il y a deux jours j'ai fait la cabine de douche. Donc du coup c'est pour ça que tu me vois pas la refaire dans cette vidéo, parce qu'elle est propre. La lumière est jaune, donc du coup c'est peut-être pour ça que ça apparaît un peu jaune sur les bords, mais sinon c'est tout propre, hein. Je l'ai fait donc, comme je disais, il y a deux jours. Et j'ai lavé aussi les rideaux de douche, parce que je sais pas si vous savez, mais le rideau de douche aussi, ça se lave, tu vois. Parce qu'en bas, souvent, ça commence à devenir jaune. Et tu vois là, tu as les liserés qui apparaissent légèrement jaunes parce que je l'utilise depuis un moment. Mais ça se lave en fait. Et quand ça se lave, non seulement ça se lave, mais aussi ça se repasse. Parce que, en tout cas, celui-là, je l'ai acheté chez Ikea à 10 euros. Il se lave à... J'ai mis 60 degrés, il me semble, ouais. J'ai lavé à 60 degrés et je l'ai repassé. Et donc, du coup, ça, c'est bon.
Bon, il est précisément 12h44 et je viens de terminer avec le ménage. Je vais, du coup, la vidéo s'arrête là. J'espère que la vidéo t'aura plu et que ça t'aura donné envie de nettoyer. Parce que je sais que généralement, quand on regarde ce genre de vidéo, on a tout de suite envie d'aller nettoyer nous aussi. Donc voilà. Moi, je te dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo ou à bientôt dans un nouveau vlog. Salut !